down. But homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause they're stressing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour réinitialiser le décodeur Bbox 4K de Bouygues Telecom. Donc pour ce faire, une fois que le décodeur est allumé, vous venez tout à droite avec la télécommande jusqu'à la petite roue des réglages, vous cliquez sur OK, puis vous descendez tous ces petits menus qui s'affichent à droite et vous allez trouver un menu qui s'appelle stockage et réinitialisation. Ici, vous descendez tout en bas, rétablir configuration d'usine, vous descendez sur tout effacer. Il nous alerte qu'on va perdre toutes les données qu'il y a dans le décodeur. Vous cliquez dessus et ça rétablit la configuration d'usine. Il faut savoir que ça prend même pas 5 minutes de réinitialiser ce décodeur. Vous avez juste à patienter. OK pour commencer. Ici, la connexion internet est réussie. On accepte ou non la collecte des données d'usage du décodeur. Moi, j'accepte. Ici, on continue ou non avec le code d'achat par défaut qui est 4x0. Et ensuite, on a une recherche des chaînes. On clique sur OK pour continuer. On choisit le thème de l'interface, valider. Et ensuite, OK pour terminer l'installation. Et là, vous allez voir que directement, on a accès à toutes les chaînes et le décodeur est maintenant réinitialisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a permis de réinitialiser votre décodeur Bbox, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.